Je m'appelle Sébastien Courroux, je suis directeur adjoint de l'association Droit Pluriel, qui est une association qui lutte pour la défense des droits des personnes en situation de handicap. La pire erreur, c'est de croire que comme l'économie sociale et solidaire ou ces milieux associatifs, c'est que ça va être simple, que les choses vont se faire de façon fluide. En fait, il faut avoir bien conscience qu'il y a des difficultés dans ce secteur et il faut les anticiper pour pouvoir les surmonter. Mais les difficultés, ça va être par rapport à l'obtention des financements, ça va être par rapport à tout ce qui est... La construction du projet et arriver à se différencier des autres structures qui se lancent sur le thème dans lequel on a envie de monter notre projet. C'est d'y croire et de pas se décourager si on a un refus ou si on a un début un peu laborieux. Quand on lance un projet de SS, ça peut prendre parfois 1 à 2 ans avant qu'on commence vraiment à se sentir le vent dans le dos. Donc il faut y croire, il faut rien laisser. Si je voulais recommencer mon projet à zéro, je pense que je prendrais davantage en compte tout ce qui est communication dès le début. J'ai eu tendance dans mon projet à vraiment partir sur le fond. Sauf que vu qu'on est en train de faire émerger quelque chose, c'est bien de travailler sur comment le présenter et arriver à convaincre les gens par rapport à notre projet à travers ça aussi. Croyons vos rêves, hein.